faire ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV. Ce jeudi 26 septembre 2019 s'est tenue à la salle des fêtes de la mairie de Saint-Fal la première réunion pour l'année scolaire 2019-2020. À ces échanges organisés par la direction départementale de l'enseignement national avec à sa tête M. Diriga, directeur départemental, il fut question de faire le bilan de l'année précédente, d'en tirer les lourdes conséquences, mais aussi de se doter des perspectives nouvelles en vue d'une année scolaire 2019-2020 réussie. Tous les acteurs de l'école ont bien voulu être là et nous avons tous échangé, avoir les recommandations de Mme le ministre pour ce qui concerne cette année scolaire et puis on va poser quelques préoccupations afin de résoudre tous cette année scolaire. Salut tout le monde, les jeunes, les élèves qui sont au fond de prêts. Aujourd'hui, la rentrée scolaire constitue un problème majeur pour les parents d'élèves. Compte tenu des dépenses si affirmantes, inscription en ligne, inscription physique, tenue scolaire, fournitures scolaires et j'en passe. C'est pourquoi je tiens à dire merci à M. le TDR pour avoir initié cette rencontre. À cette réunion de rentrée, je voudrais vous inviter à faire de vives ovations pour saluer la présence remarquée de M. le secrétaire général de préfecture, M. Alba Ebé Roule. Mesdames et messieurs, comme nous le savons, l'année scolaire 2019-2020 a débuté le 9 septembre 2019 sur toutes les tendues du territoire national. Cependant, force est de constater que cette rentrée scolaire reste encore timide dans notre département. Je voudrais donc d'entrée lancer un appel à tous, notamment les parents d'élèves, que nous puissions tout mettre en œuvre pour la reprise des cours de nos enfants. Permettez-moi à ce stade de mon propos de traduire toute ma gratitude à M. le directeur départemental de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, et à l'ensemble de ses collaborateurs qui, malgré tous les pressions qu'a connu notre système éducatif, continuent de prendre les dispositions les meilleures et de faire mes pieds pour orienter le système scolaire du département de Saint-Fran vers un cadre d'excellence et de perfection. Vous conviendrez avec moi que l'année scolaire 2018 a connu plusieurs perturbations. La grève des enseignants, la précipitation des départs en congé et la fixation de la date de retour des congés par les élèves. Ces remous en milieu scolaire, vous l'aurez deviné, ont eu des conséquences négatives sur les résultats de fin d'année. En effet, les résultats des examens scolaires du département pour l'année scolaire 2018-2019 sont en deçà des taux de réussite au plan national et même en dessous des taux de réussite obtenus l'année dernière. Je vais parler de l'année 2017-2018, l'année scolaire 2017-2018 au plan départemental. Cela est la conséquence logique des agitations constatées au cours de l'année scolaire écoulée. Il nous faut donc nous ressaisir. C'est le lieu de rappeler à nos enfants que l'école, c'est la clé de leur émancipation et de leur réussite. Je les invite donc à donner le tour à la facilité et à la pression. Tous, nous devons nous engager à renouveler le blason de l'école à Saint-Fran. J'attire donc l'attention particulièrement des parents
sur l'urgence de s'approprier l'éducation de leurs enfants en s'intéressant à l'école. En effet, le thème de l'année scolaire 2019-2020 est enseignant compétent, performant et engagé, assurance d'une école de qualité. Même si ce thème permet de placer l'enseignant au cœur du système éducatif, il n'en demeure pas moins que nous devons tous nous engager aux côtés des enseignants pour une école de qualité. Que l'éducation des jeunes a toujours été la priorité du gouvernement. De ce fait, des budgets importants sont investis par l'État pour garantir une bonne éducation à la jeunesse scolarisée. Je vous demande par conséquent, chers enfants, chers élèves, de ne pas compromettre ces investissements massifs et partant compromettre votre avenir par la violence à l'école, l'indiscipline, l'absentéisme et la tricherie. En effet, de votre assiduité à l'école dépend votre réussite. En ce qui nous concerne, nous prenons l'engagement de tout mettre en œuvre pour l'amélioration de vos conditions d'apprentissage. Mesdames et Messieurs, l'année scolaire 2019-2020 doit nous permettre d'observer des élèves disciplinés, obéissants et travailleurs. Travailleurs et respectueux du règlement intérieur de leur établissement. Des parents d'élèves impliqués dans les études de leurs enfants. Des personnels enseignants compétents et performants et des personnels administratifs dévoués et faisant preuve d'un acharnement au travail. C'est à ce prix que notre école pourra relever tous les défis et répondre à toutes les attentes en matière d'excellence de notre système éducatif. Bonne rentrée scolaire 2019-2020 à toutes et à tous. Le taux d'inscription est très faible. À Paris, on attend 1006 élèves. Et sur les 1006 élèves qu'on attend, 215 élèves se sont inscrits physiquement. Sur 1000 élèves qu'on attend, il n'y a que 215 élèves qui sont inscrits physiquement. C'est un problème réel dans le système final. Évidemment, il y en a plus de 700 qui sont inscrits en ligne, mais il y a 200 seulement qui sont inscrits physiquement. Cela veut dire qu'il n'y a que 200 qui viennent à l'école, sur 1000 élèves. Pour un modèle de point de départ, nous attendons 946 élèves. Sur les 946 élèves, il y a 700 qui sont inscrits en ligne, mais il n'y a que 80 élèves qui sont inscrits. C'est grave, chers élèves. Au lycée municipal de Saint-Paul, nous attendons 4700 élèves, mais sur les 4700 élèves, il n'y a que 977 élèves qui sont inscrits physiquement. Mais quand même, 4800 000, c'est peu. Au lycée municipal de Comanfra, nous avons 3047 élèves, 3047 élèves, 250 élèves qui sont ici. Et au lycée HKD de Saint-Franc, sur 4480 élèves attendus, il n'y a que 800 élèves qui sont inscrits. Alors, chers parents d'élèves, je vous donne ces chiffres parce que l'école a commencé depuis le 9 septembre. C'est vrai que les débuts sont difficiles, mais ces chiffres que nous vous donnons sont déjà des éléments que vous devez. Parce que si les élèves ne répètent pas les cours maintenant, comment pouvons-nous avoir des bons résultats? Je crois que les élèves qui sont inscrits à vie et qui sont encore dans les villages, chers enfants, venez maintenant, parce que c'est maintenant qu'on prépare le passage à l'école supérieure, c'est maintenant qu'on prépare l'admission au bac ou au DEC.
bon emploi. Alors, à bon emploi, on attend 1295 élèves au CPR. Et il y a 1268 qui sont bien inscrits. Mais je vais signaler que sur les 1268, il y a 1005 élèves qui n'ont pas d'extrait de naissance. Il y a plus de 1000 élèves qui n'ont pas d'extrait de naissance. C'est pas bon. Alors, à ce moment-là, sur les 3349 qui sont inscrits, il y a 2230 qui n'ont pas d'extrait de naissance. À Pointe-Bras, nous attendons 209 élèves au CPR. Sur les 209 élèves, il y a 209 qui sont effectivement inscrits, mais il y a 140 élèves qui n'ont pas d'extrait de naissance. Alors, je voudrais appuyer la parole des papas. Vous voyez, et puis se gérer. Souvent, on dit, on fait les forêts, les autres forêts, et on demande aux parents d'aller inscrire gratuitement, de faire plutôt gratuitement les essais de leurs enfants. Mais ils ne le font pas. Au niveau du bilan de la vie, avant de vous trouver le bilan, il convient de vous rappeler que l'objectif assigné à l'année écoulée était de travailler à l'amélioration des résultats scolaires avec des débats de discipline et de paix, en conformité avec le thème qui était civisme et engagement de tous pour une école de qualité. Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs, l'année écoulée a été particulièrement marquée par des perturbations. Des perturbations qui ont entaché toutes les activités pédagogiques. Monsieur le Président, c'est bien tout à l'heure. Il s'agit notamment du départ précipité. Chers enfants, cette année encore, vous allez aller en novembre. Ou bien, du départ précipité des élèves en congé de Noël avec son colonel de finance. Non seulement vous allez de façon précipitée, mais vous agressez, vous détruisez. Je ne suis pas fier de ça. Il y a eu donc aussi la grève des enseignants du public et la grève au privé. Mais la grève qui a beaucoup perturbé l'école, c'est toutes les grèves. Les conséquences de ces grèves, c'est qu'on n'a pas pu faire les examens blancs. Et pourtant, l'année passée, dans cette même salle, vous aviez dit que vous allez faire les examens blancs. Vous n'avez pas pu faire les examens blancs. Les programmes n'ont pas été achevés. Les élèves ont été démotivés et les enseignants aussi. Et cela a eu pour conséquence les résultats que M. le Préfet a donné. L'année passée, nous n'avons pas été capables d'atteindre la moyenne nationale dans le département des Saint-Denis. Le pays compte sur les enseignants. D'ailleurs, cette année, ils sont au centre des préoccupations de l'État. Le thème de cette année est enseignant, compétent, performant et engagé. Enseignant, compétent, performant et engagé. Assurance d'une école de qualité. Enseignant, compétent, performant et engagé. Assurance d'une école de qualité. La compétence dans le monde intellectuel ne se décrète pas, ni ne se croit pas. La compétence est naturelle, c'est-à-dire ne fait pas partie des talents spécifiques à une race. La compétence est le fruit d'un travail acharné, d'une recherche pointue. Certes, pour être un enseignant, il faut avoir un niveau, un diplôme. Mais je voudrais dire que le diplôme est une présomption de connaissances qu'il faut traduire par des actes intellectuels et pédagogiques qui l'attestent. Mais cette année, Madame le ministre a dit, enseignant, compétent, performant et engagé, assurant une école de qualité. Cela veut dire qu'elle mettra sûrement à la disposition de nos enseignants les éléments qui pour les rendre compétents. Pour les rendre performants et pour qu'ils soient engagés réellement au service de l'enfant. Oui, Madame le ministre ne dit rien au hasard. Elle ne fait rien au hasard. Si
elle a mis l'accent sur les enseignants, c'est parce qu'elle sait leur importance. Je voudrais aussi inviter les chefs d'établissement, les promoteurs d'établissements privés, les directeurs de l'Étude à veiller au bon fonctionnement des conseils d'enseignement, au bon fonctionnement des unités pédagogiques, qui sont des outils d'acquisition de la compétence par le renforcement des capacités des enseignants. Oui, chefs d'établissement, mettez des moyens à la disposition des enseignants à travers les conseils d'enseignants. Donnez les moyens aux enseignants pour leur permettre d'être performants. Parce que le résultat, ce sera des bons résultats scolaires. Donnez les moyens à nos enseignants pour qu'ils soient performants. Ils sont déjà compétents, mais pour qu'ils soient performants, mettez les moyens à leur disposition. Désormais, on parle de école amie des enfants. École amie des enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, je vais vous parler de projet sur le parent d'élèves. Faites en sorte que les enfants soient heureux dans l'école. L'année passée, plus de 6000 cas de fraude ont été enregistrés. Au baccalauréat. C'est trop. Si notre Côte d'Ivoire veut un État émergent, c'est les enseignants et pas l'école. Chers enseignants, je vous invite donc à saisir toute cette responsabilité qui est là. J'invite aussi les personnels d'encadrement à jouer leur partition avec rigueur, probité et abnégation. Chers élèves, respectez le calendrier scolaire. Votre promotion a anticipé de façon violente les congés scolaires et a refusé de faire les examens, vous êtes préjudiciable. Vous allez le prouver là-dessus. En effet, en nous imposant votre état, vous créez les conditions d'un apprentissage piégé. Si vous ne respectez pas vos enseignants, ils ne vous donneront pas le meilleur de même. Les résultats de 2019 ne sont pas, disons, je dirais, je pourrais dire, sont la preuve de votre impolitesse. Vous ne voulez pas aller à l'école, un grand professeur a dit, il a dit que le travail éloigne de vous trois grands mots. Le travail éloigne de vous trois grands mots. L'ennui, l'obscurité, le vice. Or, un autre grand penseur que le travail libère. Car après le travail, l'indépendance. Qu'est-ce que vous appelez l'indépendance, chers élèves? L'indépendance, c'est nous. Vous voyez, j'ai dit à l'école que lui est indépendant, je suis directeur de l'école. Donc, l'école nous permet de nous réaliser. Mais quand vous n'allez pas à l'école, que vous perturbez l'école, que vous perturbez vos enfants qui veulent aller à l'école, dans le futur, si vous deviendrez des sorciers. Oui, quand vous n'allez pas à l'école, vous deviendrez des sorciers. Parce que le sorcier, c'est celui qui dit, Seigneur, on a fait l'école ensemble, il va derrière, mais rien. C'est parce que c'est pas le plus, c'est le travail qui leur permet d'être puissant. Alors vous, mettez-vous au travail, parce que je ne voudrais pas qu'un jour on dise un ancien élève de Saint-Franc est sorcier. Vous savez comment avec les sorciers? Je voudrais saluer l'immense travail accompli par les fondateurs. Ils sont tous là. Les fondateurs, je voudrais vous dire merci pour la contribution que vous avez pu apporter à l'État de Côte. Cette année passée, on avait 12 écoles privées. Cette année, nous avons plus de 20 écoles privées. Ça, je voudrais vous dire merci. Mais je voudrais aussi vous dire de faire un enseignement de qualité dans ces écoles. Je voudrais aussi vous dire de payer, pas de fondateur, payer vos collaborateurs. Payer correctement vos collaborateurs. Parce que l'école n'est pas de commerce.
L'école fait autre chose, c'est l'éducation. Si vous ouvrez une école, que les gens, les parents vous font confiance et qu'ils vous confient leurs enfants, entretenez ces enfants correctement, mais surtout, entretenez ceux qui travaillent chez vous. Parce qu'il est anormal qu'après 8 mois, on arrête de payer les enseignants. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et ça vous crée des problèmes parce que les perturbations viennent de tout ça. Chers enseignants, chers fondateurs, faites un effort pour traiter vos collaborateurs qui travaillent avec vous. Chers enseignants, mesdames et messieurs, messieurs les CP, les chefs d'établissement, les directeurs de l'étude, notre métier est très noble. Et ça, c'est pas le ministre qui le dit. Notre métier est très noble et nous confère un rôle important dans la société. Nous avons en même l'éducation, la formation, toute l'avenir de tous les enfants de Côte d'Ivoire. C'est pour cela que je rappelle à votre engagement, à votre esprit civique. Je voudrais encore solliciter Monsieur le maire pour l'école basse. Il a donné la promesse. L'école basse qui est un petit peu, on voudrait avoir une école de référence. Et on voudrait que ce soit l'école basse. Et que cette école, si on a un étranger, on voudrait l'envoyer vers l'école basse pour qu'il voit qu'il y a une école de référence ici. Merci, chers parents. Merci à vous tous. Et bonne rentrée scolaire 2019-2020, je vous remercie. Qu'est-ce que le CIGODES? Pourquoi le paiement en ligne des frais CODES? Comment fonctionne cette plateforme? 1. Définition. Le CIGODES est le système de gestion intégrée des CODES. Il s'agit de la plateforme pour le paiement des frais CODES. Pourquoi le paiement en ligne des frais CODES? Contexte et objectif. Malgré les textes qui régissent les projets, décrets et arrêtés, malgré les formations, les contrôles de gestion faits par la DAF Projet et les partenaires, Banque mondiale, malgré les interpellations, la mauvaise foi de certains acteurs discrédite parfois les projets. On veut de redorer le blason des 10 comités de gestion et pour être en phase avec les normes de la bonne gouvernance, la DAF CODES a proposé cette innovation technologique, le paiement en ligne des frais CODES à travers le site CODES. Ce nouvel outil de gestion permettra de mieux appréhender les instructions en ligne et surtout rendra la tâche facile au bureau exécutif. Cette disposition concerne tous les projets de la maternelle au secondaire. Nous devons tous retenir que le paiement en ligne se fera progressivement après la formation des acteurs pour la maîtrise des contours techniques de la plateforme. En attendant, la vulgarisation du site CODES et le paiement en ligne des frais CODES adopté cette année se paye physiquement en établissement comme par le passé. Pour terminer, je voudrais inviter tous les acteurs et partenaires de l'école à s'approprier le CODES qui est un outil de développement pour contribuer au rayonnement des écoles dans le département de Saint-Foy. Engageons-nous donc pour le respect des textes qui régissent les projets. En plus du thème de l'année, c'est l'environnement de l'école qu'il faut assainir et le rendre attrayant. L'État ne peut pas tout faire et ça, nous le savons tous. C'est pourquoi l'État a légué une partie de ses prérogatives au secteur privé et aux parents d'élèves. Je veux parler des écoles privées et des projets. Je voudrais demander aux fondateurs de payer non seulement régulièrement les salaires et que ces salaires-là
soit aussi conventionnée. Parce que une grève dans un établissement privé à cette fois-ci pourrait entraîner un effet de contagion dans les autres établissements. Il y va de la prospérité de nos pays, comme je l'ai dit tantôt. Le COGES, oui, ce COGES-là ne fonctionne pas correctement. Soit les parents ne payent pas, ou quand ils payent, l'argent ne va pas là, il faut. L'on se retrouve avec des écoles sans eau potable, sans toilettes respectant la dignité humaine, sans bibliothèque, sans cantine, sans salle multimédia et des classes surchargées. Monsieur le président du Sipari Sénra, secrétaire général du journal du Sud-Est Côte d'Ivoire et coordinateur du journal de la Première Société. Nous, enseignants de la Première Société, devons plutôt de réussir la Côte d'Ivoire et de faire tout la Côte d'Ivoire en général et dans le département de Sénra en particulier, attribué par, en grande partie par la grève que nous avons connue. Nous en sommes profondément peinés. C'est le lieu de rappeler précisément à la communauté éducative du CFRA que nous, enseignants, on a fait beaucoup de sacrifices cette année en faisant 2 mois de grève et à la fin des 2 mois, nous n'avons rien eu. Oui, nous n'avons rien eu. Et malgré cela, on s'est dédié quand même pour pouvoir ce soir à la grève. Et à la fin de tout, on n'a rien eu en retour. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, jusqu'à présent, n'a pas, en tout cas, de façon claire, répondu à nos revendications. Et ici, nous aimerons prendre à témoin les autorités et la parole de l'air. C'est le point de qui, tout à l'heure, on a dit que les écoles, l'école n'a pas encore véritablement démarré. C'est toujours le problème de moyens. On aurait pu faire en sorte que, je ne sais pas comment ça, les gens posaient, à Bidjan, les gens déjà reçus. Mais toujours à l'intérieur, le problème de kit traîne, et c'est véritablement un problème pour les parents. Chaque fois que nous nous retrouvons ici, ce problème est évoqué. Et c'est toujours la même chose. Les kits viennent après le premier trimestre. Et ça n'arrange pas les parents, parce que moi je pense que l'État donne des kits pour aider les parents. Mais si les kits doivent venir au moment où les parents n'en ont plus besoin, c'est que les kits n'ont pas les raisons d'être. Donc je voudrais soumettre le problème de kits afin que les kits puissent venir autant au contraire. Tout le monde parle de nos grèves qu'on ne comprend pas toujours. Je pense que quand on parle de quelqu'un en mal, la personne dit, mais il ne faut pas tout de moi, cette année-là, je vais rester calme. Donc, lancez-nous un défi. Faites une année scolaire sans grève. Maintenant, si la grève vient d'ailleurs, vous direz que ce n'est pas notre grève. Mais vous êtes souvent les premiers à faire la grève. Et puis, souvent, quand vous parlez, vous ne pouvez pas les choses. Vous comprenez? Ce n'est pas un bon signe. Ce n'est pas un bon signe. Je voudrais vous dire. De prendre conscience de la gravité du fait et puis vous demander d'aller à l'école. Chers enseignants, l'État compte sur vous. On dit enseignant performant pour une école de qualité. C'est vraiment un bagage lourd qu'on met sur vos têtes, mais je sais que vous allez relever le défi. Cette année, je souhaite qu'il n'y ait pas de grève. Et que cette trapasse, l'expérience d'une année sans grève, pour voir les capacités des enseignants et des élèves. Ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.